Clémentine Portier-Kaltenbach, vous nous entraînez à la rencontre de ce mégalo en chef qui répond au nom de Mallet. Oui, parce que voyez-vous, euh, à côté de ceux que vous évoquez aujourd'hui, euh, euh, le général Claude-François Mallet, lui, il s'appelait Claude-François Claude Claude... Cla... Ah oui, il s'appelait Claude-François, <laughs> c'est vrai. Il <laughs> m'a échappé ce général-là, alors vous l'avez dit, lui, il a, il a fomenté un coup d'État contre Napoléon depuis la maison de repos où il était interné. C'est quand même magnifique. Oui, hein. et, et, en fait, cet homme, au départ, est tout à fait normal. C'est hein. un ancien gouverneur de Rome. Et en fait, il a été suspendu de ses, ses, ses fonctions en juillet 1807. Il s'était compromis dans, dans différentes affaires louches. Vous savez, quand la, la grande armée arrive en Italie, il y en a des, y en a des petits business à faire. Alors lui, il trempe dans des trucs comme ça. Et donc, il est suspendu. Et à ce moment-là, il n'a plus qu'une seule idée en tête se venger de Napoléon. Alors il met au point un premier projet d'attentat. Euh, il prévoyait, c'est déjà c'est rigolo parce qu'il prévoyait d'assassiner euh, Napoléon comme Jules César. Mais donc il avait été acheté des poignards. <laughs> Poignard par conjuré. Alors, Suéton raconte que euh, César a été assassiné par 23 coups de poignard. Oui. Donc, je sais pas le lot qu'avait acheté Claude François malem Enfin, donc tout ça a été dans les tuyaux. Claude François à chaque, fois parce que à chaque fois Je vais dire Claude François. François dire appelé je vais dire Je Alors, du coup, l'attentat oui. le, 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 euh, a été vanté. Il est enfermé à la prison de la Force à Paris en juin 1808 avec ses complices. Et là, il va quand même être prisonnier pendant 4 ans. Donc, pendant 4 ans, vous avez tout le loisir de mûrir. Un, un prochain coup d'État. Et finalement, de, il obtient deux ans plus tard d'être transféré dans une maison de santé, la maison du buisson, où là, il va euh, progressivement perdre complètement la raison. Chasser Napoléon du pouvoir tourne à l'obsession. Il y pense jour et nuit. Et il commence à distribuer en pensée les, les charges honorifiques du nouveau régime qu'il ne tardera pas à instaurer, naturellement. Vous, vous serez mon archi-chancelier, Mathieu. Vous, vous, vous serez oui, mon mais fou mais... du roi, il, de la reine. Il, il, il fait ça avec les infirmiers. Et, oui, qui, bah, avec avec concret, oui. là, il a quand même, si il, il a un complice qui s'appelle Lafont, qui est dans la même maison que, que lui, avec qui, vous savez, il suffit d'être deux, hein, et on se, on se monte vite le bourrichon. Alors, bah oui, euh, on s'en rend compte avec bah, oui, ça, on a prévu déjà tout notre voilà, gouvernement. Bah. On se monte vite le bourrichon. Mais alors, euh, il, est, il est détraqué, bien sûr, mais c'est ah oui. quand même un fou génial, parce que vous voyez son idée idée lumineuse qui peut tout faire basculer en sa faveur. Comme Napoléon, on se trouve alors en Russie. C'est très loin. Les nouvelles mettent 15 jours à arriver jusqu'à Paris. Donc que va faire Malais Il va dire que Napoléon a été tué le 7 octobre par les Russes. Et comme, en effet, les nouvelles mettent si longtemps à arriver, c'est tout à fait crédible. Euh, le dernier bulletin de la grande armée, à ce moment-là, date du 27 septembre. Donc, si on dit tout de suite, ça y est, non, non, il est mort, on le sait, bon, eh ben, il faut prendre les rênes du pouvoir. Il faut faire quelque chose. Le temps que le poteau rose soit découvert, tout peut basculer. Bien Alors, depuis bien, sa prison, <laughs> depuis sa Stéphane prison, non mais bon, pensez-y, oui, c'est intéressant. Il, il réalise de toutes pièces, parce qu'il n'est quand même pas assez doué hein, pour faire des faux, donc il réalise de toutes pièces un sénatus consul, c'est-à-dire un décret, un faux décret du Sénat, une proclamation aux citoyens et à la Il fait tout ça depuis sa prison. Oui, depuis avec sa, sa prison, de bien sûr, parce qu'il est dans une maison de santé, vous savez, c'est assez poreux, vous n'êtes pas, pas complètement enfermé. L'article 1er du décret sénatorial stipule que l'empereur étant mort, le gouvernement impérial et ses institutions sont abolis. Et ben voilà, rien que ça. Alors, Malais désigne un gouvernement provisoire dont, dont la plupart des membres ne sont au courant ni de la conspiration, ni évidemment de l'intention de Malet de les nommer à un poste quelconque. Ainsi ficelé, ce complot imparable est prévu pour la nuit du 22 au 23 octobre 1812, donc 22 octobre vers 22h, Mallet et son copain la font, ils font le mur de la pension du buisson et ils partent à eux deux. Renverser l'Empire. Ah, c'est beau. La veille, Madame Mallet a fait porter une malle dans un endroit elle convenu à l'avance. Ah, ben oui, parce qu'il faut, il faut des uniformes. Pour Mais faire elle ne un rend coup pas compte que son mari est fou. Non, je pense qu'elle ne s'en rend pas compte. Elle ne se rend pas compte de, des proportions dans lesquelles mmh. il est devenu dingue. Alors, ils sont que deux. Hein. Ils ont donc des uniformes. Et puis, euh, ils, re, ils retrouvent deux compars. Ça y est, ils sont quatre. C'est un bon début, quatre, hein, pour renverser l'Empire. Mais il faut quand même aller dénicher quelques soldats supplémentaires pour que ça fasse plus sérieux. Alors, ils vont à la, à la caserne de la garde nationale Popincourt. Et là, avec un culot monstre, Malet fait sortir du lit le commandant Soulier, qui est l'officier supérieur de la caserne. Il lui annonce la mort de l'empereur et il lui donne l'ordre de l'escorter sur le champ jusqu'à la prison de la, de la force. Et ce pauvre Soulier, vous vous rendez compte, en pleine nuit, il est malade comme un cheval, en plus, le malheureux. Il voit débouler un gars en uniforme de général qui lui dit L'empereur est mort, euh, on va libérer les prisonniers, on prend le pouvoir, etc. Après tout, pourquoi pas Oui, l'empereur, il est loin, il est à Moscou, on n'a pas de ses nouvelles. Donc, euh, c'est un brave gars. Loyal, mais il n'est pas malin, malin. Alors il obtempère, soulié devant ce, ce général qui veut s'y faire. Et puis il va avec euh, Malais procéder à la libération d'un certain nombre Corses qui étaient là prisonniers. Un gars qui avait qui était prisonnier pour avoir euh, trafiqué avec les Anglais. Il se, il se demande ce qui se passe. Il y a un des Corses qui est désigné d'ailleurs préfet de police de Paris par Malais. Bon, donc vous voyez, pendant toutes ces heures-là, il a donné à peu près l'illusion de, de, de l'apparence d'un homme normal, mais là tout d'un coup il perd complètement la tête parce qu'il lui reste encore à circonvenir une personne, le général Hulin qui est gouverneur de Paris. Mais le, le, le général Hulin, lui, il est bien plus sceptique. Il dit, mais c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais c'est n'importe quoi. Alors l'autre perd son sang-froid, lui tire dessus, lui, lui fracasse la mâchoire. Ah oui, hein, D'ailleurs, le, le général Hulin, par la suite, on son surnom, ce sera le, le général bouffe la balle. Bon, les subalternes de, de Hulin arrivent, arrêtent Malet, etc. Voilà. Donc à midi... Tout est rentré dans l'ordre. La conspiration de Général Mallet aura duré quelques heures tout au plus. Mais attendez, ce qui finit très tristement, c'est qu'il a été non. condamné à mort cet homme-là. Il férien, a été non, fusillé, non, condamné non. à mort, et l'empereur était furieux. Il apprend ça sur la route de Smolensk ah le 6 oui, le novembre. Et bah, surtout, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui l'a rendu furieux, est, il a trouvé le procès trop expéditif. Et surtout, ce qui l'a rendu furieux, c'est qu'on n'ait pas pensé à son fils. Il avait créé une dynastie pour laisser le pouvoir à son fils, et un général Malher, hurluberlu, vient dire :« Je prends le pouvoir. » Et par la suite, Napoléon déclarera à propos de cette affaire :« Si le complot s'était un peu prolongé, il se serait trouvé des sages pour conduire mmh. ce fou-là. » C'est bien dit. Mais vous connaissez les derniers mots de, de, Malais. de claude, sur, claude sur... François non, je... non. Les derniers mots. Les derniers mots. C'est ce qu'il a dit juste avant d'être exécuté. Ça, c'est historique. Hein, je vous le dis. souris, je vais au parler. Claude-François Malet, vous le connaissiez, Stéphane Pas du tout. Quelle histoire, mais elle, elle a l'art de nous dénicher des histoires, cette Clémentine. Oh, mais bah, Stéphane, ouais. comme vous connaissez pratiquement tout par non, cœur. Non, je, il faut je, vous non, il faut, il faut, Je ne vais pas ouais, vous parler faut, des. Fouiner des, au fond des grimoires pour trouver des du histoires. Par parcs vous au vous connaissez et pas. des maîtresses de Louis XIV. Stéphane Je de faire un effort. Ouais, Clémentine, vous restez là, vous ne bougez pas. Stéphane, est-ce que vous.